Good morgen, allez-y, dans les sujets aujourd'hui, les Lunishmat Amram Ben Sulika, Shalom Ben Chibiba, Chaya Esther Bat Miriam, Israq Peretz Ben Fortuna, Chaya Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles, et nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat, Perek Tet Zayin, Perek 16, Mishnah Bet. Matzilin Mazon Shalosh Seudot, Haraoui la Adam, la Adam, Haraoui la Behema, la Behema, Keitzad, Nafla de Leka Beleile Shabbat, Matzilin Mazon Shalosh Seudot. Bechacharit, Matzilin Mazon Shte Seudot, Bamincha, Mazon Seuda Achat. Rabbi Yossi Omer, Leolam, Matzilin Mazon Shalosh Seudot. On continue à parler du sujet ouvert dans la Mishnah précédente, au début du chapitre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un incendie qui se déclare pendant Shabbat? Qu'est-ce que je peux sauver? Qu'est-ce qu'on peut sauver? Qu'est-ce qu'on ne peut pas sauver? D'accord? Dans la Mishnah précédente, on avait parlé des Kitva Kodesh, tous les livres saints, qu'on a le droit de sortir avec un grand chidouche. Même dans un endroit où il n'y a pas de Hérouv, on aura le droit de le sortir. On avait appris dans quel type de Khatser exactement, de Mavoy, d'impasse. Maintenant, on va parler maintenant des biens personnels de la personne. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir sauver? Dans la Mishnah Bet, on va parler de la nourriture. Dans la Mishnah Gimel, on va continuer à parler de la nourriture et des solutions qu'il aura de demander de l'aide des autres voisins, comme ce qu'on verra. Pour le moment, on s'intéresse, pour la personne elle-même, la personne concernée, combien de nourriture peut-elle sauver? Je vous explique un principe qui va apparaître constamment, c'est que Adam Bahoul al-Mamono, un homme, il est empressé, il se laisse emballer lorsqu'il s'agit d'une grosse perte d'argent personnel. Il a une grande crainte, il est très stressé parce qu'il va perdre son argent. On a du coup un problème, c'est que si on va lui permettre de sauver des choses, trop de choses, il va s'oublier et il va éteindre le feu. Du coup, on va lui permettre de sauver des choses très restreintes, ça va être assez rude. Il y aura quand même quelques solutions pour esquiver. Je rappelle que dans toute notre Mishnah, on parle du corps, il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'y a pas de risque de mort d'homme, juste de perte d'argent. Et que pour la perte d'argent, il faut tout laisser brûler. Malheureusement, c'est comme ça, sauf le strict minimum que ce qu'on va découvrir. Donc dans notre Mishnah, on a dit qu'on va parler de la nourriture. Et la Mishnah nous dit, Matzilin Mazon Shalosh Seudot. Il aura le droit de sauver la mazon, la nourriture, pour trois seouda, pour trois repas. Donc, parce que Shabbat, on mange trois repas, d'accord? On mange le repas du soir, le repas du matin, et le repas de l'après-midi. Il faut manger trois repas pendant Shabbat, shalosh seoudot. Et la Mishnah me dit, attention, Araoui la Adam, la Adam, Araoui la Behema, la Behema. Tu as même le droit de sauver. Ce qui est apte pour les hommes, tu sauves la nourriture des hommes. Apte pour les animaux, tu sauves pour les animaux. On expliquera après plus dans le détail, parce que là ça ressort que les animaux aussi doivent manger trois repas à Shabbat. C'est un grand ridouche. On expliquera après quand même quelque chose de rigolo. C'est une question du Tiferet Israël. Maintenant, la Mishnah commence à m'expliquer. Keitzad, attention. Comment se présente le cas que je te permets de sauver trois repas? Attention. Naflad le kabe leile Shabbat. Si l'incendie s'est déclaré le soir du Shabbat, le Shabbat soir, avant le repas. Donc il reste devant lui trois repas à manger, celui du soir, celui du matin, celui de l'après-midi. Matzilin mazon shalosh seudot, il pourra donc sauver trois repas. Mais par contre, Bechacharit, si l'incendie se déclare le matin, donc il ne reste plus que deux repas pour la journée, celui du matin et celui de l'après-midi. Donc Matzilin mazon shte seudot, il ne pourra plus sauver que deux repas. Bamincha, et si maintenant il a fini le repas du midi et maintenant on est dans l'après-midi, qu'il va manger bientôt le repas de l'après-midi de la souda shlishit. Eh bien, Mazon Seuda Achat, il pourra sauver un seul repas, et pas plus. Tandis que Rabbi Yossi nous dit, non, Leolam Matzilin Mazon Shalosh Seudot. Pour toujours, tu pourras toujours sauver trois repas, quelle que soit l'heure de l'après-midi. On t'a donné une permission de trois repas. Le principe, il est simple, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on a dit, comme ce qu'on a expliqué, On ne veut pas te permettre de trop sauver, parce que si tu vas sauver trop de pauvres, il va trop sauver son argent, du coup, il risque de se mettre à transgresser Shabbat. D'un autre côté, on peut lui permettre un minimum un peu vital, et puis, du coup, puisque tu as permis de sauver trois repas dans une certaine configuration, alors ça y est, on lui dit trois repas, donc on lui permet de sauver trois repas. Voilà le principe de la Mishnah. Je précise, en rapport avec le début de la prochaine Mishnah Gemel, qu'on parle d'un cas où les trois repas, ce sont trois choses différentes. Ce sont trois marmites. On apprendra dans la prochaine Mishnah que, par contre, si dans un gros sachet, t'as des pains pour deux mois même, t'as le droit de tout sauver d'un coup, parce que c'est un seul sachet. Là, on parle que tu vas devoir prendre trois sachets de pain pour chaque repas. Donc dans ce cas-là, tu pourras prendre juste trois et pas quatre. D'accord?
C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, je reviens sur une question qu'on a soulevée. On a dit quoi? Il y a quelque chose de rigolo. Tu es en train de me dire que bon, l'homme, il doit manger 3 seudot, seuda shlichit. Mais quoi, les animaux aussi, pendant Shabbat, il doit faire seuda shlichit? C'est quoi cette histoire qu'il faut donner à manger aux animaux pour le troisième repas du Shabbat, se soucier de le prendre un troisième repas pour le Shabbat? Et le Tiferet Israël explique qu'effectivement, il ne faut pas s'en étonner, il y a une halakha très simple. Toujours, lorsque tu t'assois à manger, tu dois d'abord donner à manger à ton animal auparavant. Comme c'est écrit dans le Kriyat Shema, là-bas, je donnerai de l'herbe dans ton champ pour ton animal, et après, après toi tu mangeras. Tu te soucies d'abord de donner à manger à ceux qui dépendent de toi, puis après, toi tu te soucies, tu manges pour toi-même. Entre parenthèses, si vous avez des employés, c'est la même chose aussi, donnez-leur à manger avant de vous soucier de vous, évidemment. Bon, c'est un peu plus, là-bas c'est différent, il y a une mise à tasser, une mise à tlota assez. Pour là, on parle même pour les animaux, il y a un peu la même idée, le même principe. Les animaux qui dépendent de toi, que toi tu dois leur donner à manger, tu dois te soucier de leur donner, de les nourrir avant toi. D'accord? Puisqu'il me reste quand même une petite minute, je vais vous poser une question très intéressante de Rebbe Akiva Eiger, très 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 courte. C'est très original, parce que dans notre Mishnah, on t'apprend que parce que toi, parce qu'un homme, il est perturbé lorsqu'il a des pertes d'argent, du coup on va lui dire quoi? On va lui dire, on ne te permet rien. On apprendra plus loin, vers la fin de la Maseret, qu'au contraire, parce qu'un homme, il est tellement stressé de son argent qu'il faut absolument lui permettre des choses qui sont interdites, de peur que sinon il va transgresser l'interdit. Il y a un peu une contradiction. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'arriver dans notre Mishnah, comme ça on pourra poser encore mieux la question. Et encore plus l'aiguiser, mais en tout cas, des fois on remarque que finalement, le principe, vous pouvez l'intégrer même si vous ne connaissez pas le cas exact de là-bas. Il y a des fois où, pour la perte d'argent, Khamim on dit, non, tu ne commences pas à sauver. Et des fois où, à cause de la perte d'argent, on va dire, bon, on veut mieux qu'on te permette de sauver de manière plus ou moins pseudo-permise, de peur que tu vas faire un truc un plus grave interdit. Et le principe, en fait, il y a une contradiction. Dans notre Mishnah, tu vois que tu interdis. Dans une Mishnah plus loin, on verra, beaucoup plus tard, on verra que, au contraire, on va plus tendre à permettre. En fait, ils expliquent que ça dépend. Ce qui se passe avec dans l'empressement, comme le cas d'un incendie, alors dans l'empressement, il risque de faire des bêtises, alors on préfère de lui dire, reste à l'écart. Maintenant, ce qui n'est pas dans l'empressement qui va y avoir une perte, que si tu la laisses traîner, là, on va pouvoir plus te permettre. Autre remarque aussi super importante qui est écrite dans le Tiferet Israël, qu'on aura l'occasion de voir dans le prochain Mishnah, c'est que ce qu'on interdit, c'est la personne, son argent, pour la personne concernée. Mais les voisins, par exemple, qui vont vouloir venir, ils pourront sauver beaucoup plus. On apprendra du coup dans la prochaine Mishnah comment, de quelle manière on peut demander de l'aide des voisins de venir sauver. Et on aura l'occasion d'en parler plus. Mais en tout cas, ça rapporte ici dans le Tiferet Israël qui a écrit, je ne le retrouve plus, Davka Boto Bait. Top. D'abord, premièrement, non. Dans le Tiferet Israël, c'est ce que je dis, c'est vrai, mais ce sera marqué dans la prochaine Mishnah. Là, pour le moment, le Tiferet Israël nous dit attention, ce que je t'interdis de sauver, c'est uniquement. Son argent dans sa propre cour, même, il n'a pas le droit de les sortir, il n'a pas le droit, il touche le strict minimum, il le sauve dans une crasse armée au revêt et c'est tout. Mais si toutefois il y a un incendie chez les voisins pour le moment, qui ne s'est pas encore déclaré chez lui, et il a peur que l'incendie va se déclarer chez lui, là il a le droit de tout faire pour le moment, parce qu'il ne va pas risquer pour le moment d'éteindre le feu, tandis que le feu il n'a pas commencé à toucher sa propriété. C'est-à-dire, il a le feu qui déclare chez le voisin, lui ce qu'il veut faire, c'est qu'il va se dire pour le moment, je fais vite, je sauve tous les meubles, tous les trucs riches, tous les trucs chers, tous les trucs. Tous les objets chers, je les prends, je les mets à l'abri, comme ça, si toutefois ça atteint ma maison, et bien que ce soit protégé, là il a le droit de le faire, parce que ça ne s'est pas encore déclaré chez lui. On verra ensuite, plus tard dans la prochaine Mishnah, qu'est-ce qui se passe par rapport aux voisins qui vont vouloir venir aider, que eux, de nouveau, on apprendra qu'ils ont le droit d'être beaucoup plus larges, parce que eux, ils n'ont pas le stress qu'il va perdre plein d'argent et qu'ils vont se mettre à dans un interdit Shabbat. Chez eux, ils n'ont pas le même empressement. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.